Hey yep, tout le monde, bienvenue sur du Feed the Patrick en compagnie des pays. Bon, alors, c'est une nouvelle saison qui commence, avec beaucoup d'entre nous. Hier, on a eu des lives d'un petit peu de tout le monde. Moi, non, parce que j'avais pas très envie. Mais, voilà, alors, il y aura toujours du FTT, puisque le rythme va être plutôt réduit du fait que c'est des abeilles et les abeilles sont longues et plus c'est long plus c'est chiant, donc j'évite de vous avoir à attendre. Voilà pour ce premier cas. Ensuite j'étais invité sur FTP justement hier 20h, j'ai eu 20h même un petit peu avant, un petit message d'un conv, bonjour, vous êtes invité. Ok, bon bah cool. Du coup, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir faire du FTP. Moi qui, lors de la saison 2, j'étais devant les caméras, devant les lives de tout le monde, me dire si un jour, je ferais peut-être partie en fait, ça m'étonnerait, mais bon, ce jour est arrivé, donc je suis très content d'y faire partie, voilà. Vous avez pas poussé, vous, hein, toujours pas. Putain, vous êtes là, hein. Aïe. Donc, alors FTP, en quoi je vais plutôt me faire? Parce que chacun a un métier particulier, on va le faire dans le côté très RP. Moi, je me suis mis dans les abeilles, parce que j'ai commencé sur FTT, mais c'était assez saccadé, les ajouts de... pas vraiment les ajouts, comment faire pour pouvoir les accoupler, ce genre de choses. Donc, du coup, je préfère encore en refaire une correctement avec vous, plutôt que de faire tout saccader. Ah putain, j'ai plus de place. Allez, vivement Applied, hein, moi je te le dis. ouais, Applied c'est tellement pratique. Voilà. Bon. Du coup, je vais refaire ça. Cependant, vu que tout le monde fait... chacun son métier. Il y a ceux qui produisent de l'énergie, donc du coup ils vont vendre leurs services. Il y a ceux qui font à bouffer qui ne sont pas là, donc on crève de faim. C'est la team Alex qui est là-bas au fond. Oh, il a fait pousser des arbres de partout. Oh, il y a des poulpes. Il y a des poulpes. Ok. What? Et what? C'est quoi ce truc? Oh, une classe! Oh ouais! Ouais! Non, je plaisante. C'est quoi ce truc? Cadeau de... C'est posé sur la cobble et saute. Ah ouais! Ah oui, d'accord! Bon, par contre, quand tu tombes en fait, hein. Faut avoir les longs de full boot, hein, c'est moi qui te le dis. Donc du coup, c'est comme du FTT, sauf que GregTech n'est pas en very hard comme FTT, justement, mais plutôt en normal. Donc, concernant les générateurs, vous en rappelez, sur FTT, c'est passer dans une machine, encore une autre machine, pour pouvoir avoir ceci. Maintenant, générateur... Alors, il y a toujours la méthode four en iron, plaque... Et batterie, sauf que le générateur, nous, je crois que c'est pas comme ça, je sais plus, c'est comme ça, voilà. Donc basique, alors qu'il faut utiliser ça, c'est tellement mieux, sauf que en fait c'est pas vraiment mieux côté fer, parce que là il en faut 8, il en faut 8 plus 3, 11, que ici, il en faut seulement 8, parce que c'est une basique casing. Et il y a juste de la cobble, donc je préfère encore faire cette version là, puisque il y a de la cuite du fer à prendre. Sinon, des invars, de l'aluminium, donc pas de faire foutre. Voilà. Sinon, il y avait quoi qu'on pouvait faire avec un générateur? Alors, il va y en falloir. Je vais en avoir besoin de ceci, parce que je vais faire la modular assez rapidement. Ce qu'il me le faut, déjà on peut voler très vite, ça c'est pas un souci. Manger quand il a faim, donc faire le truc auto,
Mais voilà, pour faire un solar panel, voilà, c'était ça que je voulais voir. Comment vous faites pour de la bouffe? Bah, tu plantes. Voilà. C'est juste ça, en fait. Tu plantes. La bouffe, c'est nous. Bah, ouais. Mais il faut un début. Il faut un début de survie. Un début de survie. Oui, parce que la bouffe, c'est un énorme problème. C'est comme sur Agarian Skies, c'est que la bouffe, bah, elle descend très rapidement et elle nourrit pas beaucoup. Voyez, une patate, ça nourrit en fait 0,5 gigos au lieu de 2. Voilà, ou 2,5. Donc la bouffe, c'est un énorme petit souci, temporairement. Ah. Oui, effectivement, j'ai oublié que on avait les jus de carottes, les jus de patates, les jus de pommes. Ce genre de choses pour se nourrir, c'est nettement mieux que des patates cuites. Ça aurait je store un gigot et demi, je crois, ou deux, au lieu d'en avoir qu'un. Ou 0,5. Monsieur fait déjà son marché. Youpi, on va s'amuser. Alors, oui, concernant les abeilles, tiens, tant que j'y pense. Nous sommes deux à le faire au début, mais Toy a décidé de nous faire concurrence, et du coup, il est le troisième. Il a des techniques pour avoir des abeilles plus rapidement, moi j'en ai d'autres. Ah ah, je lui dirai pas. Et il essaye de me faire vendre ses services. Donc on va bien s'amuser pour putain, ça pousse de partout ce truc, c'est dingue. Pour justement se faire concurrence, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des abeilles. Alors les abeilles, ça peut être bien. Vous avez vu sur FTT, ça peut être bien. C'est concernant le bah, les lingots par exemple. Au niveau des lingots, il y en a certains qu'on peut comment on peut les muter, on va dire ça comme ça, dans d'autres spécificités qui permettent justement de faire du copper, du lapis, du diamant, de l'iridium, ce genre de choses, sauf que c'est très lent. C'est pour ça que je me mets directement au début, directement ça nous permettra justement d'avancer de ça plus rapidement. Alors derrière ici, il y a les activator acuminus, ce genre de choses en fait. Voilà, ceci, Actomius activator, donc de thermal, qui sont une fois en dessous en fait. C'est des bushs, c'est des les bushs, les fameux bushs où qu'on récupère ça quand on fait un clic droit dessus. Bah j'en ai posé, et du coup comme le terrain est un petit peu généré, ça nous permet justement de pouvoir justement de pouvoir avoir un petit peu de nuggets. C'est normal les plantes qui poussent que si elles sont directement. Merci Marina. Oui, Marina Culture, bah je crois que c'est ce mode, hein, bon enfin bref, le mode de bouffe, parce que les plantes sont très dures à générer en fait, donc pas générer, à pousser rapidement, faut que ça soit la lumière du jour, qu'il fasse tout le temps au jour, faut pas qu'il pleuve, ainsi de suite, c'est trop la merde, voilà. Donc, j'étais un petit peu miné de droite et gauche, c'est assez dur au début parce qu'on a tous pris... Ah d'accord, j'ai pas ce qu'il faut. Ok, GG. Un furieux zombie. C'est les zombies qui gonflent quand tu les tapes. Ah si, il a donné une pousse. Euh...
C'est les Furious. Alors, les Furious zombies, là, si plus on les tape, plus ils vont devenir gros, plus ils vont taper fort. C'est Tomcraft, voilà. Qui, ça veut dire qu'il a un donjon ou une node quelque part. Comment ? Tu as sans doute une node magnifique dans le coin. Et coucou OS2. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà du bon monde dès le matin. Kikou. Ouais. Je suis trop kikou. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, j'étais parti un petit peu faire tout le tour, un petit peu. Notre zone de minage se trouve à 1 km. Aznet a fait un trou dans le sol avec un quart qui permet d'aller très loin, justement, pour aller miner et éviter de massacrer le spawn. Du coup, moi, je me suis fait le four de Tinker puisque les outils sont une durabilité qu'on réduite. Déjà ça, mais par en même temps, c'est que les pioches là sont tellement résistantes, déjà en renfort 7-2, et je me suis fait une rapière, naturellement, hein, sinon c'est pas drôle. Du coup, je me suis fait Tinker, parce que Tinker c'est quand même bien, et je pourrais apprendre à Pierre de bien s'en servir, sans non plus... voilà. Vous savez une solution pour la bouffe temporaire Nope. Piquer chez les PNJ. Ouais, j'ai piqué la bouche chez les PNJ, moi, je suis comme ça. Donc du coup, je me suis planté quelques arbres pour avoir justement les bush, là, les petits cranberries, ce genre de choses. Je me suis mis ici, parce que j'aime bien. On a un terrain de 50 par 50. Ici, j'ai coupé avec la cobble, c'est pour éviter que la nuit j'ai des zombies qui me disent bonjour, je viens de chercher. Ah, c'est peut-être le spawner. Je pense que c'est le spawner de zombies que j'ai ramené de. Oui, parce que j'ai déjà retrouvé un portal gun, ce genre de choses, déjà de l'iridium. Alors j'ai mis abeilles, hein, naturellement. Voilà, j'ai la bouffe là qui nourrit pas mal quand même. J'ai des nouvelles armures, je ne connaissais absolument pas ces nouvelles armures, c'est des armures un petit peu chères, mais qui protègent tellement bien. Des armures en glowstone notamment. Eh oui, il y a des armures en glowstone, des armures en lapis, des armures en redstone je crois, ce genre de choses que c'est... Ouais, ok. Oh, cool. Elle est mûre. C'est quoi? Plume. On peut en faire un seed? Non. Au fait, est-ce qu'on peut s'en servir pour planter par exemple un arbre? Ah oui, il faut une pousse d'arbre et le... Oh, mais c'est intéressant tout ça. Côté déco dans le jardin, ça pourrait être fun. Un petit étang. Alors, je vais modifier ici ma parcelle. Je vais faire un petit étang quelque part. Je vais un petit peu reprendre la maison de Kia sur Newland, justement. Et je verrai bien. Et je demanderai à Bill des conseils quand même, parce que moi et construction, vous avez sans doute dû voir, c'est pas très pratique ça. Voilà. Donc je vais lui demander. Alors ça par contre je vais le garder, tu vois. Je vais le garder pour avoir une petite pousse. Du coup, ça pourrait être fun. On en est à combien dans l'épisode? Oh, à peine 14 minutes. Pour savoir, ça pourrait être plus la merde. Voyez, il y a du bonbon qui arrive. Hein. C'est super fun. Du coup, moi, de mon côté, je vais aller miner. Parce qu'il me ferait... Il me faut quand même, en fait, du diamant, du fer, j'en ai beaucoup. J'en ai un stack ici, bon, plus ce qui va cuire, ainsi de suite. Mais, il me faut quand même du... Voilà. Encore du fer, j'en ai que deux, hein, mais bon, c'est pas très grave. Au début, ça va être assez coûteux de tout faire. Parce que on n'a pas Miscraft. Ok, j'ai. Toi, t'as essayé la machine. Pas la machine. Le bloc d'installation qu'il y a. Donc, du coup,
Du coup, il est tombé. Ah, excellent. Alors ici, je vais prendre ça. Non, pas là. Ah, pas là. Non, ça. Voilà. Du coup, je vais mettre ceci pour tout ce qui est petit nugget. Ça, je vais garder pour Alex. D'ailleurs, je vais aller lui mettre directement. Et puis, de notre côté, nous, on va se... D'accord. En fait, récolte... Si. T'as pas une tombe. Oh, un sac à dos. D'accord. La mort était... cool. Donc du coup, voilà. Attendez, je vais... Oh là, complètement terraformé ici. Ouais, c'est sympa, sympa. On va faire chacun notre maison. Alors, on a un style, c'est le moderne. What the fuck? What the fuck? Ça sera la seule fois. D'accord, ok, il s'est déjà amusé à avoir ça. Je crois que c'est Toy en fait. Hop, le golem, ça gaz? Oh oui, ça gaz, hein. Oh oui. Oh, il y a plein de PNJ de partout. Ah, lui, il est sympa. Du blé, ceci. Du blé, ok. Il va me donner le... Ok, si tu veux, hein. Y en a pas un qui donne... Non, bon, pas encore. Bon, ça va pas tarder. Du coup, moi, de mon côté, je vais... déjà poser tout ça. On a une belle jungle là-bas. J'espère qu'il y a des abeilles, d'ailleurs, si on prend ça. Je vais voir ça, je vais avoir les abeilles avant que Toy me les pique tous, en fait. Parce que j'ai pas très envie non plus. Ok, Editor est mort de faim. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, c'était un petit épisode début. Je vous en ferai d'autres. Il y aura des lives. Et je vais me lancer dans les lives officiels, moi. Ça va aller. Et puis voilà. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est une nouvelle saison qui commence tranquillement. Je vais y aller tranquille. Hein. Je vais faire pas mal de vidéos. Mais voilà. Allez, sur ce, c'était EP sur FTP. Saison 3. Hey, ciao tout le monde. Putain, la bouffe, elle descend trop vite. Surtout quand on vole. Allez, ciao.